السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 17 شعبان 1434 de l'Égypte correspondant au 26 juin 2013 بإذن الله تعالى. Nous allons, inshallah ta'ala, lire quelques hadiths comme la fois passée, نعم, en français. Et aujourd'hui, hadith sur la mort. Hadith sur la mort. Voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inch'Allah ta'ala, 15 hadiths. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et il nous aide à les finir. Le premier, le croyant et le mécréant face à la mort. Le croyant et le mécréant face à la mort. D'après Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime la rencontre, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. J'ai dit, c'est-à-dire Aïcha a dit, ô messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Car chacun de nous déteste la mort. Alors le prophète alayhi répondit: ce n'est pas cela. C'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants. Non, c'est normal, ça fiche pas. Non, c'est normal. Ça. Il a dit: ce n'est pas cela. Lorsqu'on annonce, c'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant de mourir, c'est-à-dire, et de sa satisfaction et de son paradis, alors il aime la rencontre d'Allah Azzawajal. Et certes, le mécréant, lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre. Allah déteste sa rencontre. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 6507 et Muslim dans son Sahih numéro 2684. Donc, détester la mort, c'est une chose naturelle. Il n'y a pas une chose qui est à fond. Il n'y a pas une personne qui voudrait mourir. Toute personne voudrait quoi? Espérerait vivre yani, des centaines d'années si c'était possible. Et s'il y avait un remède à la mort, c'est-à-dire de façon à ne pas mourir, qui s'achetait, peut-être yani, des gens donneraient des milliards pour l'acheter. Pour l'acheter. Maintenant, je relis comme ça très vite le hadith pour que yani, le médite une deuxième fois, puisque je ne l'ai pas préparé pour les afficher. Le prophète a dit: celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. Aïcha a dit: ô messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Chacun de nous déteste la mort. Alors le prophète a dit: ce n'est pas cela, c'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction et de son paradis, alors il aime la rencontre d'Allah. Et Allah aime sa rencontre. Et certes, le mécréant, lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Car vous savez, quand la personne est en train d'agoniser dans les derniers moments, il sera en face de. En face de milliers d'anges qui seront en face de lui. À part le Malik il-Maut qui viendra prendre
yani ôter l'âme. Le mohim. Et bien sûr, quand on viendra lui ôter l'âme, ou bien, on va quoi? C'est comme ici dans le hadith. Ou bien, on va lui annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, sa satisfaction, son paradis. Alors, dans ce cas-là, il sait ce qu'il attend, alors il va aimer Allah et Allah Ta'ala aimera sa rencontre. Ou bien, si c'est un mécréant, on va lui annoncer la mauvaise nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, et de la colère d'Allah et de son châtiment qu'il attend. Alors, tester la rencontre d'Allah et Allah Ta'ala va détester sa rencontre. Naam. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith. Trois choses suivent la mort. Trois choses suivent la mort. Je crois que c'est un par tout le monde, rapporté par le Bukhari dans son Sahih. En fait, Ali Sallam a dit, trois choses suivent le mort. Non, moi j'ai dit tout à l'heure, trois choses suivent la mort. Non, le mort, c'est-à-dire le défunt. Trois choses vont le suivre. Deux d'entre elles retournent après lui et une seule restera en sa compagnie. Il a dit, celui qui suit le mort, c'est sa famille, sa richesse et ses œuvres. Ce qui retourne, c'est sa famille et sa richesse. Et ce qui reste en sa compagnie, dans la tombe avec lui, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Je répète, trois choses suivent le mort. Deux d'entre elles retournent auprès de lui. Et une seule reste en sa compagnie. Celui qui suit le mort, c'est sa famille, sa richesse et ses œuvres, ce qu'il faisait. Ce qui retourne, c'est sa famille et sa richesse. Naam, s'il a laissé des voitures, des maisons, des fermes, tout cela, ça revient. Ça rentre pas avec lui dans la tombe. Et ce qui reste en sa compagnie, dans sa tombe, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Donc pour savoir que il n'y a que les œuvres qui vont quoi? Qui vont être yani profitables. Il n'y a que les œuvres qui vont être profitables à la personne quand elle va mourir. Troisième hadith. Troisième hadith. Titre, les musulmans doivent régler leur compte avant que la mort ne les surprenne. Les musulmans doivent régler leur compte avant que la mort ne les surprenne. Selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a dit, celui qui est coupable d'une injustice vis-à-vis de son frère, doit s'acquitter envers lui dans ce monde. Sinon, il n'y aura ni dinar ni dirham au jour de la résurrection. Il a dit qu'il règle ses comptes avant qu'il enlève de son actif une bonne action pour son frère. Et, si on ne possède pas de bonnes actions, qu'on retire de mauvaises actions de son frère pour les porter à son passif, apporté par le Bukhari. Donc je répète, il a dit, celui qui s'est rendu coupable d'une injustice vis-à-vis de son frère doit s'acquitter envers lui dans ce monde. Sinon, il n'y aura ni dinar ni dirham au jour de la résurrection. C'est-à-dire pour pouvoir payer quelqu'un. Si tu es endetté, tu meurs. Non, tu n'as pas rendu tes dettes. Yom Qiyama, comment faire pour payer la personne, le créancier, comment faire pour le payer? Il n'y a pas d'argent là-bas. Tu n'as pas emmené ton argent avec toi. On a dit tout à l'heure dans le hadith, les richesses reviennent avec yani la famille. Donc, comment faire pour payer la personne qui te demande son argent? Alors, dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala va donner, par exemple, il va dire, par exemple, cette personne te devait, tu lui devais, par exemple, 1000 euros. Par exemple, je donne un exemple, c'est tout. Il va dire, par exemple, 1000 euros, par exemple, c'est par exemple 500 hasanat, ou bien 1000, ou bien 10 000. Non. Alors on doit donner à la personne à laquelle on doit de l'argent, yani l'équivalent en hasanat. Et maintenant, tu donnes à X, à Y, à Z, peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui. Non, tu t'étais endetté beaucoup, par exemple. Maintenant, tu n'as plus d'argent à ton actif. Afoun, tu n'as plus de hasanat. On va prendre quoi? On va prendre des séyyiat, des péchés des autres, des mauvaises actions des autres. Naam. Et qu'est-ce qu'on va faire? Et on va les mettre sur yani, ton compte. On va les mettre sur ton compte.
Donc c'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui s'est rendu coupable d'une injustice vis-à-vis de son frère ici, doit s'acquitter envers lui dans ce bas monde. Et ce n'est pas seulement les dettes, les injustices. Car toute injustice, yawm al-qiyamah, naam, toute personne à laquelle tu as fait du tort, elle va demander, naam, elle va demander de régler. Tu la règles. Naam, et pour la régler, naam, il n'y a pas comment la régler. Donc, elle va prendre, comme on a dit, des hasanat, sinon elle te donne des sayyi'at. Troisième hadith. Dites-moi d'abord si vous. Alhamdoulilah. Donc, c'est quatrième hadith. Quatrième hadith. L'aumône en faveur des morts. L'aumône en faveur. D'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, un homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, certes, ma mère est morte brusquement, et je pense que si elle avait parlé, au monde. Si elle avait parlé, elle aurait dit, donnez tant d'argent aux pauvres. Il a dit, donc cet homme dit, qu'en pense si je fais l'aumône pour elle, à sa place, il a répondu, Naam, rapporté par Bukhari, dans son Sahih, numéro 1388, et Muslim dans son Sahih, 1004, 1004. Donc je répète, un homme a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ma mère est morte brusquement. Brusquement, c'est comme on dit, nous, de nos jours, par exemple, elle n'était pas malade et alitée. Ensuite, elle commençait à faiblir, faiblir, faiblir. Ensuite, elle est morte. Non, brusquement. Comme on dit, nous, par exemple, on dit arrêt cardiaque. Elle était avec nous à la maison, arrêt cardiaque. Car vous savez, on appelle l'arrêt cardiaque. Même s'il n'a pas été cité dans le hadith, mais dans un hadith authentique, mais il a été cité en général. Maut al-fajaa, il fujaa. C'est quoi? Ça rentre parmi les signes de la fin des temps. De mourir brusquement. Et mourir brusquement. Pourquoi tu meurs brusquement? Tu ne peux pas mourir brusquement si ton cœur ne s'est pas arrêté. C'est ça l'arrêt cardiaque. Il n'y a personne qui peut mourir si son cœur ne s'arrête pas. Subhanallah, et maintenant, c'en est plein. C'en est plein. Il y a seulement 4 jours, un ami, et très connu ici en Algérie, est mort aussi. Naam, subhanallah, sa femme est allée chez ses parents. Et elle a commencé à téléphoner le lendemain pour savoir comment il va, etc. Parce qu'on a essayé de le contacter, on n'a pas pu. Alors ils ont téléphoné à sa femme pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Parce que lui, c'est un imam, il guide les gens. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est venu ni salat sobh, ni rien. Ni... Sa femme alors lui a téléphoné, téléphoné, il n'y a rien. Elle a dit à ses frères. On va jeter un coup d'œil à la maison, voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas possible qu'ils répondent pas. Quand ils ont ouvert la porte, ils l'ont trouvé par terre. Par terre. Yani, Allah yarhamou, il était mort. Ni maladie, ni rien. Aucune maladie. 43 ans à peu près, ou 45 ans, il a. Aucune maladie. Subhanallah al-Azim. 47. Non, 47 ans, subhanallah al-Azim. Un ami que je connais depuis au moins 20 ans ou 25 ans. Plus 30 ans à peu près. El-Mohim, un homme a dit, ma mère est morte brusquement, mais je pense, d'après que je la connais, que si elle avait parlé, si elle avait eu le temps avant de mourir, elle aurait dit, donnez l'aumône de mon argent aux gens. Donnez, fisabilah. Il a dit, alors est-ce que je peux faire ça à sa place? Il a dit, alayhi salam, naam. Naam, donc tu peux donner au monde avec la niya que c'est pour ta mère qui est morte ou pour ton père qui est mort. Reste une chose, reste une chose. À chaque fois qu'on lui demande la question, on lui dit, est-ce qu'on peut donner quelque chose, c'est billah, pour mon père, pour mon grand-père ou bien ma mère ou mère. Il répond, c'est possible, mais ce n'est pas la meilleure des choses. C'est possible. Mais ce n'est pas la meilleure des choses. Comme on dit en arabe, jaiz, c'est possible. Wa laysa bi mashrou'. Jaiz, ça veut dire
C'est permis, mais ce n'est pas recommandé. Taïeb, pourquoi ce n'est pas recommandé? Car vous connaissez le hadith, l'autre, l'authentique, qui dit que, là, je crois qu'on va le voir, qui dit que, attendez, qu'est-ce qu'il dit? Non. Qui dit que quand la personne meurt, elle laisse trois choses. Ou bien, il y a les trois choses qui lui arrivent à la tombe. Il a dit la science, ou bien Sadaqa al-Jariya, ou bien l'aumône qu'il faisait lui. L'aumône qui, yani, c'est pas l'aumône donné aux pauvres là, mais le bien qu'il a fait, le bien qui dure. Comme construire une mosquée, construire un puits, et comme ça. Et la troisième des choses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh, waladun salihun yad'u lahu. Ce qui lui arrive aussi dans la tombe, s'il a laissé un enfant salih, pieux disons, qui lui fait des doigts. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Cheikh Ibn Uthaymeen dit, il dit, le hadith a dit, un enfant pieux ou bienfaisant qui lui fait des doigts, il n'a pas dit un enfant pieux ou bienfaisant qui l'aumône à sa place, ou lui fait l'aumône. Vous avez compris la réponse? Donc le mieux, c'est quoi? C'est de s'arrêter au hadith. Le hadith a dit un enfant pieux qui te fait des doigts. Il n'a pas dit un enfant pieux qui va faire l'aumône à place. Si quelqu'un va dire, mais ici le hadith qu'on vient de citer, a dit que le prophète Hassan lui a répondu, non, tu peux faire l'aumône à la place de ta mère. Est-ce qu'il y a contradiction? On dit, il n'y a pas contradiction. Pourquoi? Parce qu'ici, celui qui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ya Rasulallah, ma mère, Naam, est morte brusquement. Ce que je sais d'elle, c'est qu'elle voulait faire l'aumône, mais elle est morte. Est-ce que je peux faire à sa place? Je peux faire à sa place, c'est-à-dire, yani, faire ce qu'elle voulait faire et qu'elle n'a pas pu, c'est tout. Tandis que nous, en parlant général, quand quelqu'un meurt, notre père, est-ce qu'on donne pour lui l'aumône? Vous avez compris, il y a une différence entre, je savais que mon père allait faire cette chose, mais Allah, il est mort, il ne l'a pas faite. Est-ce que je peux la faire à sa place? Il y a ça. Et il y a quoi? Et il y a en général, mon père est mort, est-ce que l'aumône à sa place? On lui dit, fais les doigts, comme a dit le hadith, fais les doigts. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, il dit, faire les doigts au père et à la mère qui sont morts, il a dit, c'est le chemin hadith. Hadith, l'anbiya, c'est le chemin des prophètes. Naam. Que disait, comme dans le Coran, Rabbi ghfirli, wali walidayya. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا comme a dit Nuh alayhi salam et comme aussi a dit Ibrahim, attendez, comme il a dit dans le Coran, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ, c'est pas ce رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. Le il y a un verset très clair aussi de Ibrahim alayhi salam où il demande que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne à lui et à son père. Il a dit aussi وَاغْفِرْ لِي أَبِي وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَاغْفِرْ لِي أَبِي. Et fais la miséricorde à mon père, il était égaré. Et il a dit aussi, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi, pardonne-moi à moi, à mes parents et aux croyants le jour de la résurrection. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-moi à moi et à mes parents. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, demander pardon et miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala pour les parents, c'est ça le chemin des prophètes. Et ce n'est pas, yani, aller faire quoi? C'est pas aller faire l'aumône pour eux et aller acheter des choses et dire ça c'est pour mon père et pour ma mère qui sont morts. Parce que, en fait, eux, quand ils étaient vivants, c'était eux qui devaient faire les bonnes œuvres et non pas toi, tu fais à leur place quand ils sont morts. Vous avez compris? Allah Ta'ala a créé chacun et a demandé à chaque personne que ce soit elle qui fasse les œuvres, les bonnes œuvres. Personne à sa place. Mais quand on meurt, nous, ceux qui viennent après nous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au lieu de faire de bonnes œuvres pour nous, ils vont nous faire des doigts. Nos enfants vont nous faire des doigts. Et non pas nous quand on est vivant, quand on était vivant, on était insouciant. Et maintenant, on demande à nos enfants pour qu'ils fassent des bonnes œuvres pour nous. Entre parenthèses, je dis, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est permis. C'est permis de faire quelque chose pour son père, pour sa mère, acheter quelque chose, un mushaf, le mettre dans la mosquée, etc. Mais ce n'est pas recommandé. C'est permis, mais ce n'est pas recommandé. Naam. Inch'Allah que vous faites la différence entre permis et pas recommandé. Et je peux vous donner 6 ou 7 exemples, si vous voulez, de choses qui sont permises et qui ne sont pas recommandées. Quatrième hadith.
L'homme en faveur des morts. Quand quelqu'un a cautionné la dette d'un mort, il ne peut renier son engagement. D'après Salama ibn al-Akwa, radiyallahu ta'ala anhu, on a rapporté un mort au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il prie sur lui. Alors il a dit alayhi sallam, avait-il une dette ce mort? A-t-il une dette? Ils ont dit non. Alors le prophète alayhi sallam a prié sur lui. Puis on a apporté un autre mort et il a dit alayhi sallam, a-t-il une dette? Ou bien avait-il une dette? Ils ont dit oui. Alors le prophète alayhi sallam n'a pas voulu prier sur lui, a dit priez sur votre compagnon. Alors Abu Qutada, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, Ya Rasulallah, je m'occupe de sa dette. Je m'occupe de sa dette. C'est moi qui paye sa dette. Alors le prophète, alayhi sallam, pria sur lui. Hadith par Bukhari dans son Sahih 2295. Donc le prophète, sallallahu alayhi sallam, ne priait pas sur quelqu'un qui avait des dettes. Et la personne qui meurt, yani, elle reste yani, vraiment suspendue, comme on dit. Et il ne lui est pas permis de rentrer au paradis jusqu'à ce qu'elle paye ses dettes. Mais alhamdoulillah, qu'il y a deux choses là. La première, c'est quoi la première des choses dans laquelle j'ai dit alhamdoulillah, parce que je viens de lire un whisper, donc ça m'a un peu embrouillé. La première des choses, donc on parlait de quoi? Non, pour les. La première des choses, pourquoi on dit alhamdoulillah? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que toute personne peut payer ses dettes, etc. Il a dit, je m'emporte garant yawm al-qiyamah. Alhamdoulillah, ça c'est une grande ni'ma. Toute personne qui n'a pas pu, qui a été morte endettée, yani je me porte garant devant Allah, yawm al-qiyamah à sa place. Allahu Akbar. Ça c'est une grande ni'ma. Et la deuxième, un autre hadith authentique, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le prophète a dit que Allah ta'ala avait dit que toute personne qui s'est endettée et avait la. Peut-être, je redis, peut-être le prophète, peut-être il n'a pas dit que Allah ta'ala a dit, mais il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, yani toute personne qui est morte endettée et qui avait l'intention de payer ses dettes, Allah ta'ala l'aide à ce qu'elle paye sa dette. Dans un hadith authentique, il a dit trois, Allah ta'ala a pris un haq sur lui de les aider. Un mujahid, et je crois celui qui veut se marier. Et le troisième, il a dit la personne qui a contracté des dettes avec dans l'intention de les rendre. Pourquoi? Car il y a des gens qui contractent des dettes avec l'intention d'escroquer. Préalable, il sait qu'il ne va pas les rendre. Il te dit, prête-moi de l'argent, je vais te les rendre dans 2 mois, 3 mois. Mais dans son cœur, il dit, je ne vais pas les lui rendre. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement ne va pas l'aider, parce qu'il n'a pas l'intention. Pire encore, il va quoi? Il va châtier quand il va mourir. Mais toute personne qui croit, qui a dans la niya de rendre les dettes, Allah Ta'ala l'aide pour qu'elle paye ses dettes. Sinon, comme j'ai dit le hadith, que le prophète islam se portera garant d'une personne qui avait la niya de rendre ses dettes. Voyez. Autre hadith. Cette chose dont la récompense parvient au servant de sa tombe après sa mort. Il y a sept choses, hein, dont la récompense parvient au serviteur quand il sera dans sa tombe, qui est très connu, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a trois choses qui arrivent au mort quand il est dans sa tombe. C'est quoi? Il a des. Sadaqa Jariya, une aumône qui persiste, qui dure aussi, comme on l'a cité tout à l'heure. Il a dit, ilmun nafi', il a propagé de la science, cette science va lui arriver. Et, waladun salihun, yid'u lahu. Et les doigts d'un enfant qu'il a laissé bienfaisant. Maintenant, ce hadith que je vais citer,
a cité qu'il y avait sept choses et non pas seulement trois. D'après Anas. Et vous allez voir que ces sept se résument en trois. Car le prophète alayhi ne peut pas se contredire quand il parle. Il y a sept choses, d'après Anas, que le prophète alayhi a. Il y a sept choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort. 1. Celui qui a enseigné une science. 2. A creusé le lit d'un fleuve. 3. A creusé un puits. 4. A planté un palmier. 5. A construit une mosquée. 6. A laissé un Coran, un mushaf, en héritage. 7. A laissé un envieux qui donne après sa mort. Je répète les sept qui arrivent à la tombe, la récompense arrive à la tombe. 1. Celui qui a enseigné une science. 2. A creusé le lit d'un fleuve. 3. A creusé un puits. 4. A planté un palmier. 5. A construit une mosquée. 6. A laissé un mushaf en héritage. 7. A laissé un enfant pieux qui demande pardon pour lui après sa mort. Donc ces sept, si on va les résumer, on va trouver que il se rencontre avec le hadith qui a dit trois. Pourquoi? Parce que quand il dit ici, il a enseigné une science. Dans le hadith, il a été cité la science. Dans l'autre, il a dit quelqu'un qui a, yani, propagé la science. D'ailleurs, donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste deux choses. Il reste l'enfant pieux. L'enfant pieux est cité dans ce hadith ici. Il a dit, ou bien il laisse un enfant pieux après lui pour demander pardon. Donc, qu'est-ce qui reste pour que les deux hadiths concordent vraiment? Il reste Sadaqa al-Jariya. Là, l'aumône qui persiste et qui dure. Eh bien, tout ce qui a été cité ici dans ce hadith rentre dans Sadaqa al-Jariya. Regardez ce qu'il a dit ici. Il a dit, il a creusé le lit d'un fleuve. Il a creusé un puits. Il a planté un palmier, il a construit une mosquée, il a laissé un mushaf en héritage. Ça fait cinq. Tout ça, ça rejoint l'autre hadith qui dit Sadaqa Jariya. Sadaqa Jariya. Jariya, c'est-à-dire qui reste. Jariya en arabe, donc qui va rester, courir après toi-même quand tu meurs. Ce n'est pas donner, par exemple, donner à quelqu'un 100 euros ou 1000 euros. Ça, dès que la personne, tu lui donnes cet argent. Il s'en sert, grâce des récompenses s'arrêtent. Si par contre tu vas. Tant que la mosquée existe et que les gens prient à l'intérieur, ou lisent le Coran ou font le dhikr, tu as quoi? Tu as des récompenses. Et la mosquée, combien ça reste? Peut-être 1000 années, peut-être plus. Allah alam, combien ça reste? Non. Donc ce hadith rapporté par Al-Bazzar et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Targhib. Numéro 73. Autre hadith. La mère de Saad est morte. Quelle est la meilleure aumône? La mère de Saad est morte. Quelle est la meilleure aumône? D'après Saad ibn Ubada, radiyallahu ta'ala anhu, j'ai dit au sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, la mère de Saad est morte. Donc il parle de sa mère. Il lui a dit, la mère de Saad est morte. Quelle est la meilleure aumône? Qu'est-ce que je peux faire comme meilleure aumône pour ma mère qui est morte? Le prophète alayhi a dit, l'eau. Saad a alors creusé un puits et a dit, ceci est pour la mère de Saad. C'est-à-dire ma mère. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Bani dans Sahih Abu Daoud numéro 1681. Donc, quelqu'un a dit au prophète, alayhi, ma mère est morte, quelle est la meilleure aumône que je puisse faire pour elle? Il a dit l'eau. La meilleure aumône, c'est l'eau. Alors, Saad a dit, il a creusé un puits, il a dit, ceci, c'est pour la mère de Saad, ceci, c'est pour ma mère. Ce puits que j'ai creusé, c'est pour ma mère et non pas pour moi. C'est-à-dire que les gens viendront prendre de l'eau, bien sûr, pour boire et arroser et ceci, cela. Non. Autre hadith, le sommeil et le frère mort. Non. Le sommeil et le frère de la mort.
d'après Jabir radiallahu ta'ala anhu. Le prophète alayhi salam a dit, et le frère de la mort et les gens du paradis. Salam alaikum, cher. Apparemment, vous n'avez pas le mic. Naam, alaykoum salam, wa barakatuh. Naam, je voudrais faire une petite remarque à Ibn al-Qayyim. De temps en temps, il nous affiche des hadiths, etc. Barakallah fait pour ce qu'il fait, il nous aide beaucoup. Reste un problème, je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'il affiche un hadith, je perds le micro. Ensuite, il me vient difficile des fois de le reprendre. Donc, je dis à Ibn al-Qayyim, je crois qu'il y a une autre solution d'afficher. Ou bien, si maintenant d'habitude, tu appuies sur Send, ou plus appuyer sur, mais plutôt Ctrl V. Ou bien si tu as l'habitude par Ctrl V, il faut changer, il faut Send. Il y a l'une des deux solutions qui marche et l'autre qui ne marche pas. Ah, active-le, active-le. Allah alam, peut-être c'est lui le meilleur. Allah alam, manchar. Je crois, Allah alam, que des gens ont demandé, est-ce que dans le paradis les gens dorment? Alors il a répondu à l'islam, il a dit, le sommeil, c'est le frère mort. Et les gens du paradis ne dorment pas. Au paradis, on ne dort pas. Pourquoi? Car si tu dors, ça veut dire que tu es mort. La preuve. Quand tu dors, est-ce que tu dors? Est-ce que tu sais ce que tu dis? Tu sais pas. Est-ce que tu te commandes? Tu te commandes pas du tout. Non. Tu peux dire n'importe quoi. Tu peux faire haram. Tu peux boire le haram. Le haram dans le rêve. Pourquoi? Tu n'es pas vivant. Tu sais pas ce qui se passe. Tu te commandes pas du tout. Donc, être au paradis et dormir, c'est un. Tu vas donc t'évader de ce paradis, de ce monde utopique pour aller vivre yani, des rêves et des, je ne sais pas, des cauchemars, etc. C'est pas possible. La personne dans le paradis ne dort pas. Non. Ensuite, pourquoi on dort? Parce qu'on se fatigue. On a besoin de repos pour yani, le lendemain, inchallah ta'ala, être en forme, pour récupérer. Dans le paradis, il n'y a pas de fatigue. Dans le paradis, tu ne te fatigues ni physiquement, ni moralement. Or, pourquoi tu auras besoin de dormir? Ensuite, dormir, c'est un temps yani, qui passe comme ça dans le vide. Dans le paradis, il n'y a pas de temps qui passe dans le vide. Dans le paradis, c'est gagner les plaisirs, les délices des yeux, c'est les rencontres, c'est les dhikr, c'est ceci, cela. Dire subhanallah, alhamdoulilah, même dans le paradis, on dit ça. Donc, on n'a pas de temps à perdre dans le paradis. Non. Chaque jour, tu découvres. Pas chaque jour, chaque instant peut-être, des choses nouvelles, des choses que tu n'as jamais vues, à chaque fois tu es étonné par des choses. Ensuite, le dalil que le sommeil, c'est le frère de la mort, c'est quoi? Le dalil très clair. À chaque matin qu'on se lève, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah alladhi ahyana. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a quoi? Qui nous a ressuscité. Donc, tu reconnais que tu étais mort. Et tu as remercié Allah Ta'ala pour t'avoir ressuscité. Car plusieurs, quand ils dorment, ne se réveillent plus jusqu'à Yom Al-Qiyamah, jusqu'à la tombe. Et toi, Allah Ta'ala t'a réveillé, tu commences par le remercier de t'avoir réveillé. Alors qu'il y a des centaines et des milliers qui ne sont pas réveillés ce jour-là. Alhamdoulilah. Ensuite, autre hadith, le deuil de la femme dans le mariage. D'après Zaynab radiallahu ta'ala anha, le prophète a dit, il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah au jour dernier de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours. Sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et 10 jours. Apporté par Bukhari 1280 et Muslim 1490. Il n'est pas permis à la femme de se marier durant la période de deuil, comme vous savez, ni d'être demandé en mariage. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, sourate al-Baqara numéro 2, verset 234, il a dit, ceux d'entre vous qui meurent et laissent des épouses, elles doivent observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours. Lorsqu'elles arrivent à la fin du délai, il n'y a pas de reproche pour vous
concernant ce qu'elles feront d'elles-mêmes dans le bien. Allah Ta'ala est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Remarque, il y a une exception à cela. On a dit que le deuil c'était combien? 4 mois et 10 jours. Il y a une exception. Si la femme est enceinte, lorsque son mari décède, alors la fin de son délai sera le moment de son accouchement et non pas les 4 mois et 10 jours. Allah Ta'ala a dit, et celles qui sont enceintes, la fin de leur délai est leur accouchement. Sourate Talaq, verset numéro 4. Et d'après le Miswar, Ibn Makhlama, radiyallahu ta'ala anhu, que Sabiha al-Aslamiyya a accouché quelques nuits après la mort de son mari. Elle est allée voir le prophète, alayhi salam, et lui a demandé la permission de se marier. Il le lui a permis et elle s'est mariée. Quelques nuits seulement après la mort de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle venait d'accoucher. Rapporté par Bukhari, 5320, et Muslim, 1485. Autre chose, elle doit rester dans sa maison et ne sortir qu'en cas de besoin. D'après Fari'a bint Malik, radiyallahu ta'ala anha, que le prophète, alayhi salam, elle dit, il m'a dit, après le décès de mon mari, il m'a dit, reste dans ta maison jusqu'à la fin du délai. Rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, volume 7, page 206. Cheikh Islam Taymiyyah a dit, si elle est sortie pour une chose dont elle a besoin et dormi chez elle, alors il n'y a rien à lui reprocher. Par contre, si elle est sortie c'est-à-dire de sa maison sans besoin et a dormi dans une autre maison que la sienne, alors qu'elle demande pardon à Allah Azzawajal et se repente auprès de lui. Majmou' al-Fatawa 34-28. Naam. La femme, dans sa période de ihdad, comme on dit, qu'est-ce qu'elle doit faire que son mari est mort? Naam. Pendant la journée, elle ne sort que pour le besoin. Quand on dit besoin, c'est-à-dire, elle ne va pas aller se promener, elle ne va pas au mariage, elle ne va pas aux fêtes quand on l'invite. Besoin, elle va chez le médecin. Elle va au commissariat si on l'a appelée. Elle va au tribunal si elle doit témoigner. Et comme ça, c'est un besoin. Elle va au médecin non, si elle est malade. Et comme ça, elle va acheter s'il n'y a pas quelqu'un qui lui achète pour manger, pour boire. Et ça, c'est pendant la journée. Et la nuit, elle doit toujours dormir dans sa maison. Maintenant, si par exemple, les héritiers ou les fils de son mari, son mari avait des enfants, ne veulent pas qu'elle reste par exemple dans la maison de leur père ou là, elle est excusée. Elle va dans une autre maison. Chez ses parents à elle, si ses parents n'acceptent pas, elle va al muhim, elle cherche une maison. Non. Et aussi, elle peut quitter la maison où elle doit rester 4 mois et 10 jours de son mari, elle peut la quitter si par exemple, par peur, elle est toute seule dans la maison, c'est dans une ferme ou là dans une forêt ou là c'est un chalet ou là. Elle a peur, Naam, elle ne peut pas rester toute seule. Elle demande à sa famille de rester avec elle. Personne ne veut rester. Elle peut quitter la maison, Naam, de peur. Ou alors, si par exemple, il y a un feu dans la maison, il y a un serpent, Naam, elle quitte la maison et revient quand il n'y a plus la peur, quand il n'y a plus le danger. Il lui est demandé de délaisser les beaux habits, les bijoux, le parfum, la teinture des cheveux et le kuhl. D'après Atiya, radiyallahu ta'ala anha, elle a dit, on nous interdisait de faire le deuil pour un mort au-delà de 3 jours, sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et 10 jours. On ne doit pas mettre de colle, pas de parfum, ni de vêtements teints, sauf s'il est teint puis tissé. Il nous a été autorisé au moment de la pureté, lorsque l'une d'entre nous fait le rosle pour ses menstrues, de faire usage de parfum. Et il nous était interdit de suivre les cortèges funéraires. Rapporté par le Bukhari dans son Sahih, 5431, Muslim, 938. D'après Salama, que le prophète alayhi salam a dit, la femme dont le mari est décédé ne porte pas d'habit teint en jaune ou en rouge. Ni de bougies, ni de bijoux, j'ai dit bougies, ni de bijoux,
Elle ne doit pas se teindre les cheveux, ni mettre du kohl. Hein? Apporté par Abu Daoud dans son Sahih, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, 2304. Tayyib. Autre hadith, celui qui dit ses paroles lors de sa mort. D'après Abu Huraira, radiallahu ta'ala, le prophète sallam, a dit, si le serviteur dit La ilaha illallah, wallahu akbar. Alors Allah Ta'ala dit, mon serviteur a dit vrai, il n'y a pas d'autre divinité que moi et je suis le plus grand. Si le serviteur dit la ilaha illallah wahda, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mon serviteur a dit vrai, il n'y a pas d'autre divinité que moi seul. Si le serviteur dit la ilaha illallah la sharika lah, Allah Ta'ala dit, mon serviteur a dit vrai. Il n'y a pas d'autre divinité que moi et je n'ai pas d'associé. Si le serviteur dit La ilaha illallah, lahul mulk wa lahul hamd, alors Allah Ta'ala dit, mon serviteur a dit vrai. Il n'y a pas d'autre divinité que moi et à moi la louange, la royauté et à moi la royauté et la louange. Et lorsque le serviteur dit La ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allah Ta'ala dit, mon serviteur a dit vrai, il n'y a pas d'autre divinité que moi, et il n'y a pas de force ni de puissance si ce n'est par moi. Celui qui dit ces paroles lors de sa mort ne sera pas touché par le feu. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' 713. 713. Autre hadith, la mort du croyant et par la sueur du front. La mort du croyant et par la sueur du front. D'après Bourayda, radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'il était à Khorasan, il visita un de ses frères qui était malade. Il le trouva en train de mourir alors qu'il suait du front. Alors Bourayda dit, Allahu Akbar. Il a dit, Allahu Akbar. J'ai entendu le prophète alayhi salatu salam dire, la mort du croyant est par la sueur du front. La mort du croyant est par la sueur du front. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Ahkam al-Janaïs, page 49. Ce hadith montre que le fait de suer du front au moment de la mort est un bon signe pour la personne, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. La personne qui meurt, qui avant de mourir commence à suer du front, c'est un bon signe, un signe, ou bien l'un des signes que cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, est ravi d'elle, est ravi d'elle. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire qu'on meure de la sueur du front. Autre hadith, les enfants morts des musulmans sont dans le paradis. Les enfants morts des musulmans, c'est-à-dire avant la puberté, sont dans le paradis. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, les enfants morts des musulmans sont dans le paradis. C'est Ibrahim qui s'occupe d'eux. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha 603. Je répète, les enfants morts des musulmans sont dans le paradis, c'est Ibrahim qui s'occupe d'eux. Ça, c'est les enfants des musulmans. Et les enfants des kuffars, des mouchriquins. Un autre hadith, je ne l'ai pas ici devant moi, mais je l'ai lu dans Sahih al-Jami' de Sheikh al-Albani, où le prophète a dit, les enfants des mouchriquins, des polythéistes, des associateurs, les enfants des mouchriquins, il a dit, ils sont, ou là, seront les valets du paradis. Les valets, il a dit, khadamu ahli jannah, khadamu al-mu'minin fi jannah, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous connaissez un valet, c'est quelqu'un qui s'occupe de la maison,
te rapporte ce que tu veux, etc. Il a dit, les enfants des kuffars, nam, ils seront Yom al-Qiyamah, yani ce sont eux qui vont travailler dans le paradis. À boire, donner ceci et cela. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est pas qu'est-ce qu'ils vont faire dans le paradis. C'est est-ce qu'ils seront dans le paradis ou dans l'enfer? Il y a 13 avis ou 15. 15 avis ou 13 sur les enfants des mouchrikines, où est-ce qu'ils seront? Et parmi les 13 ou 15 avis, il y a l'avis qui dit qu'ils seront au paradis. Et c'est l'avis dont je suis convaincu à cause du hadith authentique, clair, qui a dit les enfants des mouchrikines seront des khadams, des valets dans le paradis. Khlas. Donc, pour moi, il n'y a pas plus fort que cela. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ensuite, même dans la logique, ça s'accorde avec yani la aqida et la sharia. Il n'a rien fait. L'enfant du mouchrik n'a rien fait tant que il n'est pas encore pubère. Le hadith dit que la plume est levée pour trois, entre autres, celui qui n'est pas pubère. Puis là, il n'est pas pubère. Ses pères, à la fois ses parents, étaient des kofars et des bouddhistes et je ne sais pas quoi. Mais lui, il n'était pas pubère. Naam. Comment se fait-il que il soit châtié et qu'il aille en enfer alors qu'il n'a fait aucun péché? Donc même logiquement, yani, ça s'accorde. Wallahu ta'ala alam. Il reste deux hadiths. Casser un os d'un mort. D'après Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrit, le prophète alayhi sallam a dit, casser un os d'un mort est comme le casser alors qu'il était vivant. Il parle du musulman, bien sûr. Casser un os d'un mort, c'est comme le casser alors qu'il était vivant. Pour voir que le musulman, tellement qu'il a de valeur et tellement que son statut est élevé, que même mort, subhanallah, sa valeur reste intacte. Quand tu brises l'os de quelqu'un qui est vivant, qu'est-ce qu'il y a comme châtiment? Il y a comme châtiment très grave. Donc, on va lui permettre qu'il te casse toi aussi ton os. Sauf si tu lui donnes de l'argent, il accepte l'argent à la place de la loi du talion. Ou alors, sauf s'il te dit, Yanni, je t'ai excusé, je pardonne, je ne prends ni argent, ni tu me rends l'appareil. Ça, c'est quand il est vivant. Même quand il est mort, non, tu peux pas dire maintenant il est mort. Aïe, je vais creuser dans la tombe de celui-là, il est mort, et je prends ses os qui sont restés là, je les casse, ou bien je les prends, ou bien ceci, ou bien cela. Non. Mais par contre, tu dois le respecter vivant, mort comme tu l'as respecté vivant. Si tu casses son os quand il est mort, c'est comme si tu le lui as cassé vivant. Tu as fait du tort. Rapporté par Abu Daoud de 3027, 3207 et authentifié par Cheikh Al-Albani dans sa correction de Sahih Abi Daoud. Enfin, dernier hadith, la piété filiale envers le père après sa mort. D'après Ibn Omar radiallahu ta'ala anhu, que le prophète sallam a dit, celui qui veut faire la piété filiale à son père alors qu'il est dans sa tombe, qu'il lie les liens avec les frères de son père après sa mort. Celui qui veut faire la piété filiale à son père alors qu'il est dans sa tombe, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a dit qu'il lie les liens avec les frères de son père après sa mort. Les frères de son père, ici ça veut dire les amis. D'après, il y a d'autres hadiths qui ont expliqué cela. Donc, notre père, quand il était vivant, c'est obligé qu'il avait des amis. C'est quelqu'un de social, il vivait pas tout seul dans la forêt. Il avait des amis. Si tu veux maintenant que continue la piété filiale, et que même ton père dans sa tombe, tu continues cela, il a dit, va visiter ses amis. Va visiter les amis de ton père. Je dis par cela, bien sûr, il faut que les amis-là ne soient pas des amis
d'alcool, etc., et zina, etc. Non. Des amis normaux, je connais rien d'eux, cherche pas à comprendre, je regarde seulement l'apparence, je sais que celui-là, c'était un ami à mon père, je vais le visiter, c'est tout. Cherche pas ni à comprendre, et à faire l'espionnage, etc. Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith authentique, non, a rencontré, il était comme ça, dans la rue, ou je ne sais pas où, peut-être en voyage, si j'ai une bonne mémoire, il a rencontré quelqu'un, non, et il s'est, comment on dit? Il s'est rappelé que celui-là c'était un ami à son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors Abdullah ibn Omar est descendu de son âne. Et il a dit à l'autre, monte, monte. Il a fait monter sur son âne et lui a dit, cet âne t'appartient. Je te le donne. Il s'est dit, tu étais un ami à mon père. Non. Les gens lui ont dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, celui-là c'est un ami à mon père. Et il y a un hadith qui dit que si tu fais la piété filiale, nam, aux amis de ton père, yani, ça arrivera à la tombe aussi. Et il lui a donné son âne. Et quand je dis il lui a donné son âne, c'est maintenant, toi, tu rencontres quelqu'un, tu lui donnes ta voiture. Nam, il faut comprendre ce que valait l'âne autrefois. Tu rencontres quelqu'un maintenant, tu lui dis, toi, tu étais l'ami de mon père. Nam, tiens, je t'offre ma voiture. Toi, tu n'en as pas. Je t'offre la voiture. Fi sabilillah. Naam. Subhanallah al-Azim. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. C'était juste un rappel. Quelques hadiths. Naam. Qu'on a lu comme ça. Si vous avez, inshallah ta'ala, des questions sur ce que j'ai dit, qu'on commence maintenant par cela avant d'aller à la prière. Sinon, yani, pour les questions hors sujet. Après salat al-Isha, bi'idhnillahi ta'ala. Muslim, je te donne, inshallah ta'ala, quelques minutes si tu trouves quelque chose qui a rapport avec le cours. Tfadl. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc la première question d'un frère qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque l'on parle de piété familiale, si on apprend après la mort du père qu'il avait une deuxième famille dont personne n'avait la connaissance, doit-on s'occuper de cette famille après sa mort? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est très important. Naam, ça prévaut sur les amis. Car, chauffe logiquement, pour ton père, qui était mieux? Un ami à lui ou bien sa famille? Sûrement sa famille. Donc maintenant, si on apprend qu'il a laissé yani, des enfants ou là qu'il a laissé yani, femme, il a laissé yani, enfin sa famille. C'est ça prévaut sur les amis. C'est pour ça que inshallah ta'ala, ça rentre yani en premier lieu. Ça rentre en premier lieu avant les amis bidnillah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tafadhal. Alors, question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Concernant le hadith que vous avez mentionné sur le fait que briser l'os d'un mort est comme celui d'un vivant, est-ce que cela concerne uniquement le péché ou bien aussi la douleur? Autrement dit, est-ce que ce hadith fait aussi référence à la douleur que le mort peut avoir, comme celui du vivant? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Non, il ne concerne pas la douleur. Quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un meurt, aucune chose dans ce monde ne peut lui faire mal. Il est dans l'au-delà. Jette sur lui de l'essence, brûle-le, yani, coupe-lui la tête, coupe-lui les doigts, il ne sent rien. Non. Maintenant, le mal qu'il peut ressentir, c'est le mal de qui a rapport avec ce qui vient après la mort, pas ce qui était avant la mort. Les mots. Naam, les mots. Quand il était vivant, naam, ça ne lui fait mal que le mal de la dunya. Il n'y a pas un mal de l'au-delà. Et maintenant, quand il est, yani, si je puis dire, dans les prémices de l'au-delà, dans la barrière, le barzakh, maintenant ne peut lui faire mal que les mots de l'au-delà, pas les mots de cette vie. Naam. Tfadval. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Je voulais savoir quelle autre œuvre pouvons-nous faire pour nos parents après leur mort? Barakallahu fikoum.
et qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne fin. Fadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La meilleure des choses, ce sont les doigts, comme dans le hadith. Un enfant pieux qui lui fait des doigts. La meilleure des choses qu'on puisse faire pour des parents morts ou des grands-parents, c'est les doigts. Alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. S'il avait dit que c'est seulement de l'eau monde, c'est seulement construire un puits, construire une mosquée, c'est pas permis à tout le monde. On éprouverait beaucoup de chagrin de ne rien pouvoir faire pour nos parents qui sont morts. Mais alhamdoulilah, seulement la doua. Seule la doua suffit. Et surtout les doigts, yani, dans les prosternations. Car aucune personne n'est jamais proche d'Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'elle est prosternée. Mais ça ne veut pas dire que ça se limite seulement à la prosternation. À tout moment, on peut faire des doigts pour les parents. Mais surtout quand on est prosterné. C'est l'avantage d'avoir un enfant pieux. Pourquoi le hadith a dit un enfant pieux qui lui fait des doigts? Pourquoi il a dit pieux? Parce que celui qui n'est pas pieux, il ne te fait pas de doigts. Il a un cœur, quoi? Il a un cœur scellé. Un cœur en fer. Même si toi, tu lui rappelles, tu lui dis, écoute, il te dit, laisse tomber, moi, je suis avec les problèmes, je suis avec ceci, cela. Il est avec la dounia, il est avec l'alcool, il est avec la femme, avec... Il n'a pas le temps de faire des doigts. Même s'il fait, comme j'ai dit, un cœur vraiment loin, loin. Mais l'enfant pieux, non. Il a 5 prières par jour, là, il berge. Chaque prière, il fait des doigts. Non, chaque fois qu'il se rappelle ses parents, il fait des doigts, et comme ça. Mais je dis, si maintenant quelqu'un, à part les doigts, veut faire autre chose, qu'il fasse, comme dans le hadith, qu'il fasse l'aumône, au nom de ses parents, qu'il creuse un puits s'il peut, qu'il peut-être il achète un mushaf et il le met dans la mosquée, il dit ça, je le mets au nom de mon père, au nom de ma mère, qui donne de l'argent pour construire une mosquée, il dit au nom de ma mère, au nom de mon père, et comme ça. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit c'est permis, même si ce n'est pas la meilleure chose. La meilleure chose, il a dit, c'est les doigts. Avant la question suivante, toute personne qui lève la main doit faire en sorte que son PV soit ouvert. Ça nous fait perdre du temps à chaque fois de demander à un tel ouvre-moi ton PV, un tel ouvre-moi ton PV. Toute personne qui lève la main, que ce soit sur le salon du Cher ou sur l'autre salon, doit faire le nécessaire pour que le PV soit ouvert. Et ça concerne aussi bien les frères que les sœurs Barclough et comme. Si un PV est fermé, on ne perdra pas de temps, Inch'Allah, à aller réclamer la question. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum cher. Je suis converti, alhamdoulilah. Puis-je faire des doigts pour mon père décédé dans le coffre? Barakallahu fikoum. Fadal cher. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand quelqu'un a son père qui est décédé dans le coffre, il ne peut pas lui faire dans les doigts. Pourquoi? Je vais vous dire d'abord. Quand il était vivant, il pouvait, et il devait même, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Donc, quand mes parents sont des kofars, ou même si ce n'est pas mes parents, je peux faire des doigts à des kofars pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma ihdi dawsan. Ya Allah, guidez Daws. Daws c'est qui? C'est une tribu, la tribu de Abu Huraira. À Abu Huraira, quand on l'a fini, on dit c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Daoussi, faisant yani, allusion à sa tribu, Daous. Donc, subhanahu wa ta'ala, de gens, la tribu de Daous, Allah subhanahu wa ta'ala guidé. Et Abu Huraira lui-même a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, faites des doigts pour ma mère. Car Abu Huraira, tout son possible pour expliquer à sa mère, pour que yani, elle voit la vérité, pour rien. Alors il a demandé, le prophète l'a vu une fois en train de pleurer. Qu'est-ce qui te fait pleurer à Abu Huraira? Il lui a dit, ma mère, je reviens d'elle, j'étais chez elle, elle veut rien entendre. Qu'a dit le prophète? Il a dit, Allahumma ihdi, umma Abi Huraira, wa habibha, wa Abu Huraira ila qulubil mu'minin. Hadith rapporté dans Muslim, dans Sahih Muslim. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Huraira? Il a dit, ya Allah,
guidez la mère de Abi Huraira et faites de sorte que elle et son fils soient aimés. Quand il a dit cette doua, Abu Huraira, sur le champ, il a dit, je suis allé, c'est-à-dire chez moi, chez sa mère. Ça fait 5 minutes qu'il vient de la quitter, elle était contre lui, elle l'insultait, etc. Il a dit, quand je suis arrivé à la maison, j'ai frappé à la porte, elle m'a dit, attention, ne rentre pas, je suis en train de prendre ma douche. Elle était en train de prendre sa douche, car elle venait de rentrer à l'islam, pour rentrer à l'islam. Quand elle a terminé sa douche, elle lui a dit, Abu Huraira, شهدوا أن لا إلا الله شهدوا أن محمد عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر commence par الله العظيم ça fait 5 minutes elle a dit que يعني ni islam ni rien je suis contre toi la dua du professeur qu'est-ce qu'il a dit اللهم اهديها يا الله guidez-la il a été exaucé sur le champ elle a été guidée المهم il est permis de faire des dua quand on est vivant une personne vivante kafir de lui faire des dua et demander à Allah de la guider. Comme tu aimes toi le bien pour toi, tu dois aimer aussi le bien pour les autres, pour les koufars. C'est pas seulement toi, tu as sauvé ta peau, tu dis Alhamdoulilah, moi je vais au paradis, et laisse les autres aller en enfer, qu'ils crèvent là-bas. Non. Le kafir, tu veux aussi qu'il soit comme toi. Non, tu n'es pas un hasad, tu n'as pas de hasad toi. Même le kafir, tu lui... Mais, s'il meurt par contre kafir, c'est trop tard. Ma kana lin-nabi walladhina ma'ahu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الله تعالى دي il n'est pas permis aux prophètes ni aux musulmans qui sont avec lui, aux croyants, de faire des doua, yani de demander à Allah تعالى de pardonner aux kuffars, même sa famille, comme ça il a dit, même s'ils sont de la famille, après que yani ils soient morts comme ça dans le coffre. Mais il y a une chose pour terminer. On ne peut pas yani, être yani, dire à 100% comme ça, je dis que tel kafir, il sera en enfer. On ne peut pas dire comme ça. Pourquoi? Il y a deux avis, et je vais vous dire pourquoi. Il a appelé ici à la prière, et ils font vite ici la prière. Je n'ai pas encore fait les ablutions. Quand je reviens, inshallah ta'ala, je termine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc la sœur dit, Assalamu alaikum, comment faire pour régler tous nos comptes concernant les péchés s'il y en a beaucoup? Et elle dit donc entre parenthèses, oubli, péché honteux, etc. Barakallahu fekoum. Donc le sens de la question, cher, c'est envers une personne. Si par exemple nous avons causé du tort à une personne et que nous avons oublié qu'on avait donc causé du tort à telle personne et on n'a jamais demandé pardon, etc. et que l'on meurt. Ou alors si nous avons commis un péché envers une personne et qu'on est honteux d'aborder ce péché avec cette personne en lui demandant pardon, etc. Que devons-nous faire? Si la mort donc devait arriver. Tfadal cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. La personne a dit que entre autres on a oublié. Je dis si on a oublié, alhamdoulillah, on n'a aucun souci. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah Ta'ala a répondu et il a dit qad fa'alt jif. Na'am. J'ai accepté yani pour ceux qui ont oublié. Reste maintenant si on n'a pas oublié, ça se divise en deux. Il y a où yani, on peut faire, donc là, ça devient de notre faute si on ne fait pas, on demande pas pardon, on trouve la personne et on sait où elle habite, etc., on ne lui demande pas pardon. Et il y a où, par exemple, on ne trouve pas la personne. Non. Dans ce cas, on se suffit, yani, dans les doigts, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Et maintenant, si on l'a trouvé, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas parler. Non, on ne peut pas parler. Si c'est honteux, si c'est comme ça, aussi on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Et si maintenant il y a un moyen, par exemple, d'écrire une lettre sans parler, d'écrire une lettre à la personne et de la lui envoyer, de demander pardon, qu'on le fasse, bi'idhnillahi ta'ala, c'est mieux que yani yawm al-qiyama. والله تعالى أعلم تفضل
Question suivante, cher, d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve. J'ai l'intention d'aller au Hajj avec mon mari cette année, Inch'Allah ta'ala. Mais j'ai trois enfants en bas âge, de 2 ans, 3 ans et le dernier à 2 mois. Et je devrais donc les laisser pendant 1 mois. Ma question est, le Hajj de la femme est-il obligatoire? Car j'ai lu la fatwa qui dit qu'il n'est pas obligatoire au mari de subvenir aux dépenses du hajj de son épouse. Donc comment fait la femme qui ne travaille pas pour se payer le hajj? Si oui, dois-je aller quand même et laisser mes enfants? Ou est-il préférable d'attendre que mes enfants grandissent et que mon mari aille seul cette année? Barakallah fekoum de m'éclairer, cher, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et qu'il nous accorde le firdaous, vous élève en degré et enrichisse votre science. Ainsi qu'à tous ceux présents. Amen. Fadal cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Question, il y a un petit mélange, la personne, à part les deux, comment d'un fait, comment d'un côté, comment, yani, puisqu'elle a lu que le hajj n'était pas obligé, le mari, ça lui était pas obligé de payer à sa femme le hajj. Et de l'autre, elle dit donc comment elle fait maintenant, yani, les enfants, etc. Je dis, les enfants n'ont rien à voir avec la première partie de la question. La première partie de la question, c'est vrai ce qu'elle a lu. Ni le mari, ni le père, ni aucune des personnes, il ne lui est obligé de payer le hajj à une autre personne. Naam. Donc, je dis, le mari, ça lui est pas obligé de payer le hajj à la femme, à son épouse. S'il le fait, il aura des récompenses. Il a aidé à ce qu'une personne qui est très proche de lui fasse une obligation et un pilier. S'il ne l'a pas fait, Allah Ta'ala ne va pas lui donner de péché. Elle, maintenant, l'épouse, si elle a les moyens, elle a l'argent nécessaire pour le hajj, si elle ne va pas y aller, Allah Ta'ala va lui donner des péchés d'avoir laissé un grand pilier passer alors qu'elle avait les moyens, ses propres moyens. Si elle n'en a pas, Allah Ta'ala ne te demande pas d'aller faire des dettes ou d'aller travailler pour rendre le hajj obligatoire. Car maintenant, le hajj pour toi, tant que tu n'as pas d'argent, tu ne travailles pas, il n'est pas obligatoire. Mais en contrepartie, Allah Ta'ala ne t'a pas demandé d'aller travailler ou d'aller faire des dettes ou d'aller faire une récolte pour faire le hajj. En arabe, ils disent, Ma la yatimu al-wajibu illa bihi fa wa ma la yatimu al-wujubu illa bihi fa laysa biwajib. Donc, c'est comme si quelqu'un qui va dire la zakat, Allah Ta'ala, c'est un pilier, Allah Ta'ala aime ceux qui font la zakat. Je suis pauvre, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler pour m'enrichir pour donner la zakat. On lui dit non, Allah Ta'ala donne la zakat si tu as les moyens, si tu as le nisab. Tu l'as pas, tu vas pas chercher à travailler pour avoir le nisab pour donner la zakat. La deuxième partie de la question. J'y ai répondu une fois. Si on a le hajj, elle est sûre que ses enfants seront entre de bonnes mains et qu'ils ne vont pas mourir quand elle va revenir, ni vont tomber malades. Entre de bonnes mains chez sa mère, chez sa soeur, chez sa tante, qu'ils peuvent y aller, se suffire à eux sans leur mère. C'est-à-dire, si la mère va au hajj, rien ne va leur arriver. S'il leur arrive ce qui arrive aux gens normaux, c'est pas grave. Si c'est une grippe, si c'est ceci, c'est cela, la fièvre, ça arrive à tout le monde. Mais si elle est sûre qu'ils sont entre de bonnes mains et que personne chez qui elle va les laisser les nourrir, leur préparer le lait, ceci, cela, dans ce cas, le hajj est obligatoire pour elle. Pour elle, si elle a de l'argent, elle doit y aller. Mais si en allant au hajj, elle sait qu'elle va yani, perdre ses enfants, ou alors ils vont tomber gravement malades, loin de sa présence, dans ce cas, le hajj n'est plus obligatoire pour elle jusqu'à ce que grandisse un peu, Inch'Allah ta'ala. Le mari a réuni la somme pour lui et sa femme. Et maintenant, c'est ton mari de voir. S'il veut emmener sa femme avec lui, il aura de grandes récompenses. S'il dit non, je ne paye pas le hajj pour elle, ce n'est pas obligé pour moi, il ne paye pas. Naam, tfadlal. Question suivante, cher.
Question d'une sœur qui dit: j'aimerais savoir si l'on peut faire des invocations pour un proche qui fait du shirk. Est-ce que l'on peut dire: Oh Allah, pardonne-lui, ou Oh Allah, guide-le vers le droit chemin? C'est une personne qui pense qu'il est permis d'avoir des gris-gris et des amulettes pour se protéger. Allah le Musta'an, qu'Allah vous récompense pour votre travail. Tfadal, cher. Afouane, il y a un mot qui a sauté dans la première phrase de la question. Non? Donc il faudrait, inchallah ta'ala, relire pour que je sois sûr que ce que j'ai entendu. Tfadlal. Ah, mais je dis, j'aimerais savoir si l'on peut faire des invocations pour un proche qui fait du shirk. Est-ce que l'on peut dire: Oh Allah, pardonne-lui, ou Oh Allah, guide-le vers le droit chemin? Tfadal, cher. Non, pour la deuxième phrase ou bien la dernière. Oh Allah, guide-le vers le droit chemin. Ça, j'ai dit que même un kafir, s'il est vivant, on dit, Ya Allah, guidez-le vers le droit chemin. Reste pour la première question, ou la première partie. Est-ce qu'on demande à Allah Ta'ala de lui pardonner? Si c'est un musulman, on demande à Allah Ta'ala de lui pardonner. Car faire du shirk, ça ne veut pas dire absolument être devenu mouchrik. Je peux faire du shirk et je ne suis pas mouchrik. Je peux avoir de l'hypocrisie et je ne suis pas un hypocrite. Je peux avoir des branches et des rameaux de kofr, et je ne suis pas kafir. Quand je jure par autre qu'Allah, je dis, je jure par Al-Kaaba, que hier j'étais à tel endroit, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un shirk, je ne veux pas le Kaaba. Mais est-ce que je suis devenu mouchrik? Est-ce que je serai en enfer éternellement? J'ai fait du shirk. Non. Il y a une différence entre faire shirk et devenir mouchrik. Donc, je suis toujours musulman, mais j'ai fait un grand péché, il faut que je revienne vers Allah, je demande pardon, etc. Donc, la personne voit si la personne, c'est une musulmane, celle-là, dont elle est en train de parler, qu'elle fait du shirk. C'est une djihad, etc. Demande à Allah de lui pardonner, de la guider, les deux à la fois. Surtout si, lorsqu'on lui montre, on lui montre les fautes qu'il fait. Tfadlal. Question suivante, question d'un frère qui dit: Assalamu alaikum, cher. Je voudrais me faire ruqya seul. Pouvez-vous me conseiller sur la façon de procéder? Tfadal, cher. Non, la ruqya, c'est son sens. Itim arabe, c'est quoi ruqya? Ça veut dire doua. Doua. Non, tu fais des doua pour que Allah subhanahu wa ta'ala te guérisse. Maintenant, si tu veux faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois avant de dormir, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait sur ses mains et essuyait avec. Non. Le prophète alayhi wa sallam, a fait ça même à des personnes, disons à ses petits-fils, Hassan al-Hussein, non, qui n'étaient pas en train de dormir. C'est-à-dire même qu'on peut poser sa main sur quelqu'un et lire par exemple yani le Fatiha ou bien lire des doigts. Donc la personne ou bien lit sur ses s'essuie, ou bien elle lit le Coran, elle fait des doigts et est en train d'écouter. Elle écoute non, ce qu'elle est en train de lire. Comme sorte être course et قل هو الله وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب لي كوم سا نعم اي elle fait des doigts pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de la guérir. En ce sens, elle a fait une ruqya à elle-même, bi'idhnillahi ta'ala, et c'est mieux que de demander à quelqu'un de lui faire ruqya. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur qui dit: une sœur a fait bâtir une maison et pour la réalisation de ce projet, elle est passée par le biais d'un ingénieur qui est un ami de la famille. Celui-ci s'est chargé de trouver un maçon pour la construction. À l'époque, la sœur n'avait pas tout l'argent pour régler le maçon. Depuis un moment, elle est en mesure de régler ce maçon et lorsqu'elle demande à l'ingénieur de la mettre en contact avec le maçon, il dit qu'il va le faire et il ne fait rien. La sœur demande: si elle meurt, aura-t-elle une dette envers le maçon, sachant qu'elle n'a pas la possibilité de le contacter, mis à part par le biais de l'ingénieur? Tfadal, cher. Ce qui est étonnant, c'est que je vois pas
L'ingénieur, celui-là, pourquoi il ne peut pas montrer ou là dire c'est qui ce maçon? Dire c'est qui ce maçon? De toute façon, si elle est soucieuse de payer ce maçon et qu'elle ne l'a pas fait et qu'elle meurt, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner parce qu'elle avait la niyya de payer. Elle avait la niyya de payer et elle n'a pas pu. Mais elle doit quoi? Elle doit au moins faire le testament et dire à ses parents, etc., et ses proches que le maçon n'a pas été payé et que voilà, donc que je laisse. Et que vous devez contacter tel ingénieur et que eux aussi, ils doivent faire aussi leur possible. Faire comment et aller arriver à ça. Et ensuite, elle doit essayer maintenant, tant qu'elle est vivante, de voir quels sont les procédés pour convaincre cet ingénieur pour qu'il lui montre ce qu'il maçon. Donc, elle doit lui envoyer son père ou bien son mari ou bien ses frères lui parler pour le convaincre, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sinon, alhamdoulilah, que dans son cœur, elle a l'intention de payer. Ça, au moins, si elle meurt, elle avait l'intention, alhamdoulilah. Mais elle doit faire des efforts pour convaincre et envoyer des gens convaincre cet ingénieur pour leur montrer le maçon. Tfadval. Question suivante, question d'une sœur qui dit: Salam alaykoum cher, qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille et vous accorde le Firdaous. Je suis d'origine maghrébine et je suis marié à un converti français. Parfois ma mère, que j'aime beaucoup, se comporte pas très bien avec mon mari. Un jour, j'ai voulu comprendre pourquoi elle se comportait comme ça avec lui. Parfois elle ne répond pas à son salam ou met en doute sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'il soit très sérieux dans ses obligations religieuses, alhamdulillah. Elle s'est fortement énervée avec moi, envers moi, m'a souhaité beaucoup de mal, et m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir, ni moi, ni mon mari, et que si vraiment j'étais une vraie musulmane, je n'aurais pas défendu mon mari face à elle, chose que j'ai faite en son absence. C'est-à-dire en absence de mon mari. Et elle m'a cité le verset sur les parents. Elle a dit que moi et mon mari étions des démons et que j'aurais dû me marier avec un arabe. Ma question est comment j'aurais dû me comporter envers elle pour ne pas la fâcher en sachant que je ne lui ai absolument pas manqué de respect. Et est-ce que tout ce qu'elle m'a souhaité est justifié? Et quels conseils pouvez-vous me donner? Jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum cher. Tfadal cher. Le conseil que je donne, inshallah ta'ala, c'est d'essayer de comment renouer les liens avec la mère. Et d'un côté, comment essayer d'apaiser son cœur, etc. Parce que vous savez, les parents, nos parents, en général, je ne dis pas tous, mais en général, ne connaissent pas l'islam. Ils connaissent de l'islam qu'il faut jeûner et donner l'islam. Et faire des prières. Sinon, le fond de l'islam et la charia, etc., ils n'ont pas élevé, ils n'ont pas été élevés dans la quête de la science. Ils n'ont pas demandé la science de dans leur vie. Ils ont écouté un peu, et leurs parents leur ont appris, etc., mais ils ne sont pas des talibou ilm en général. C'est pour cela qu'ils croient. Il croit que le converti, le chrétien, ou bien le juif, ou je ne sais pas qui, enfin le juif, c'est grave pour eux. Le juif, pour eux, il ne peut jamais devenir musulman. Mais il croit que le chrétien, ou je ne sais pas qui, s'il rentre en islam, que on est toujours, nous les musulmans de souche, on est toujours mieux que lui. Comme ça, il croit. Il te dit, celui-là, même s'il est rentré en islam, jamais il ne pourra nous égaler. Nous sommes des musulmans de souche de père, de grand-père et de grand-grand-père. Je te dis, celui-là, jamais il ne sera au paradis, et s'il sera au paradis, il sera mieux que moi. C'est impossible. Donc, maintenant, pour que tu convainques ton père ou ta mère ou ton grand-père, ta grand-mère, que un chrétien mieux que toi, dans cette vie, juif, s'il rentre en islam, et fait des œuvres mieux que toi, il sera mieux que toi au paradis. Ça,
ils ne pourront jamais comprendre. Ils ne pourront jamais comprendre. Et comme a dit tout à l'heure la sœur, elle a dit, mon mari, c'est un reconverti, il applique beaucoup, il est correct. Ça, c'est une shahada, c'est un témoignage. Tout le monde sait que les reconvertis, quand ils rentrent en islam, ils appliquent plus que les musulmans. Ils appliquent plus que le musulman. C'est pour cela que quand quelqu'un est marié à un reconverti, ou bien, c'est-à-dire un homme qui a une reconvertie, il doit bien faire attention et beaucoup, beaucoup expliquer à ce reconverti que nous, les musulmans, yani, il faudrait yani, qu'il sache que yani, il y a beaucoup d'entre nous, des musulmans dans la famille, etc., qui n'appliquent pas. Car beaucoup, yani, il va se convertir ici en Algérie et il ne l'avait pas prévenu. Et elle, quand elle arrive, elle voit la famille de son mari. Et ses sœurs ne portent pas le voile, sa mère peut-être elle ne prie pas, sa tante peut-être elle fume la cigarette, l'autre elle va s'étonner, elle va dire Subhanallah, c'est quoi ça, etc. Elle va s'étonner. Non, il faudrait qu'elle sache qu'il y a beaucoup d'entre nous de musulmans qui n'appliquent de l'islam que le nom, c'est tout, mais qui vraiment sont loin du dîn. C'est pour cela, yani, pour que quand la personne vienne, elle ne soit pas étonnée. Soit pas étonnée. Donc je reviens jeudi. Non, nos parents, Allah yahdihim, Allah ta'ala, leur apprendre l'islam et leur montrer que, yani, leur faire connaître la vérité. Il faudrait patienter avec eux. Il faudrait patienter avec eux. Ils ne savent pas que, yani, quand quelqu'un rentre en islam, classe, il a le même statut que nous et qui peut-être il applique plus que nous. Mais toi, donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est pas la peine de lui dire tout cela parce qu'elle va pas comprendre cela. Et c'est comment seulement de quoi? Comment, yani, ne pas rompre les liens avec elle. Et maintenant, je te dis, si jamais elle ne veut plus te parler ou elle te dit c'est terminé entre nous ou ceci ou cela, sache que c'est elle qui est en faute. C'est pas tout. C'est qui est en faute? C'est elle qui regrettera. C'est elle qui sera questionnée au Qiyamah pour avoir fait ces choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est une façon fausse, une façon de Djouhel, c'est qui aura des péchés si elle ne fait pas le repentir. Mais tout ça, bien sûr, il ne faut pas le lui dire. Il faut voir comment essayer de calmer les choses et de garder les liens avec elle, Inch'Allah Ta'ala. Tfadval. Question suivante, cher. La personne dit, Assalamu alaikum. Concernant le hadith sur la piété filiale, est-il aussi valable pour la mère? Quant à l'os du mort que l'on casse, est-ce avant son enterrement? Car certaines personnes disent que lorsque l'on s'assoit sur la tombe d'un mort, on lui brise les os. Cela est-il exact, cher? Barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum. Tfadal, cher. Barakallahu fikoum. J'ai pas entendu le dernier mot. Certains disent que quand on s'assoit sur une tombe, qu'est-ce qui se passe? Tfadlan. Non, mais à la fin, elle dit, quant à l'os du mort que l'on casse, est-ce avant son enterrement? Car certaines personnes disent que lorsque l'on s'assoit sur la tombe d'un mort, on lui brise les os. Cela est-il exact? Tfadal, cher. Non, cela n'est pas vrai. On ne peut jamais faire de tort à un mort. Je dis là. Quand on va s'asseoir sur. Faire du mal. Mais s'asseoir sur sa tombe, ça te fait du mal à toi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Il a dit, je préfère qu'une braise de feu, jamra, non, me brûle. Et yani, fait un trou dans mon kamis. Et arrive à me brûler, yani, ma peau, plutôt que je m'assoie sur la tombe de quelqu'un. Je parle d'un musulman. Non. Donc, le hadith est clair qu'on se fait du mal à soi et non pas aux morts. Mais c'est pour montrer quoi son statut. Que, yani, il doit être quoi? Il doit être respecté. Il doit être respecté. Comme il était respecté vivant, il a toujours le même statut de respect. Non. Voilà pourquoi c'est interdit d'aller, par exemple, quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est mort, on va dire, bon, celui-là, c'est là, s'il est mort. Et
avec ce mort, ou là on va le prendre une hache et le couper, ou bien on dit khlas, il est mort. On dit non. Si tu touches à un de ses os, tu fais je ne sais pas quoi, au point tu as cassé un os, c'est comme si tu lui as cassé un os alors qu'il était vivant. Quand il est vivant, tu as le droit de lui casser un os, tu n'as pas le droit. Non. Vous connaissez le hadith. Le musulman, c'est qui? C'est celui qui, les gens, yani, khlas, yani, comment qu'on dit, sont préservés de sa main et de sa langue. Donc, de sa main, ça veut dire, un musulman ne frappe pas un musulman. Encore moins, il lui casse un os quand il est vivant. La même chose quand il est mort. On ne doit pas faire de mal, yani, à un mort, même si, pour lui, ça lui fait pas mal. Mais c'est un manque de respect envers lui. Taïeb, il y avait autre chose dans la question. Non. Pour la piété familiale, je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Car pourquoi que ce serait seulement pour le père et que la mère ne rentrerait pas? Pourquoi? Elle aussi, ça lui fait plaisir si elle était vivante et qu'elle savait que Yanné, tu es bien avec ses amis à elle. Non. Donc la même chose quand elle meurt, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, cher, qui est très longue. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de la lire rapidement. Atfada, cher. De casser un os, etc. C'est pour cela que les savants disent, vous m'entendez, alhamdoulillah, c'est pour cela que les savants disent par exemple, maintenant on est à la fac, on apprend médecine et on apprend chirurgie. Et chirurgie, on apprend donc comment ouvrir un corps, comment le fermer, comment coudre, comment ceci, comment enlever un os, comment placer un cœur, comment ceci, comment cela. Et pour apprendre toutes ces choses-là, il n'y a pas comme, il faudrait qu'il y ait un corps devant nous, un corps, hein, pour entraîner sur cette corps, sur ce corps. Là, ils ont dit comment qu'on fait, ils ont dit, on ne prend pas le corps d'un musulman. Car le musulman, on ne doit pas casser son os, comme dans le hadith, ni vivant ni mort. Donc on va prendre d'un kafir. On va prendre le corps d'un kafir, et c'est sur son corps à lui que on va l'ouvrir, comment coudre, comment cela, quand c'est obligatoire. Sinon, si on peut s'en passer, c'est pas la peine. Tfadlal. Pour la question, barakallahu fik, résume. Si elle est très longue, résume, barakallahu fik. Ah, mais cher, je ne suis pas très doué pour résumer les questions. Et je vous lis, cher, je vous lis la question. Et si vous voulez, c'est sur le waswas. C'est sur le waswas d'une sœur. Mais c'est pas sur le divorce, cher. C'est pas sur le divorce. C'est sur le waswas. De toute façon, je vous lis la question, cher. Si vous voulez m'interrompre, vous mettez le raid. Parce que je ne veux pas voir le salon. Là, je vais être sur le WordPad. Et comme elle est longue, je vais plus être concentré dessus. Donc surtout, si vous voulez me couper, cher, vous mettez le raid, Inch'Allah. Je vais essayer de lire rapidement. Donc la sœur dit, Salam alaykoum, qu'Allah vous préserve, vous accorde le Firdaus. Je suis une sœur mariée, alhamdoulilah, du Minhaj, d'une vingtaine d'années. Il y a un an, mon mari et moi, nous étions partis en Algérie, pays que je découvrais étant marocaine. Il se trouve que là-bas, j'étais en mauvais terme avec la tante de mon mari, ou plutôt, elle avait une dent contre moi. Je suis tombé malade du waswas, mais cela s'est fait progressivement. Ça a commencé par le fait que je sentais que je voulais arrêter. Donc, connaissant la condition des ablutions, donc elle sentait qu'elle voulait arrêter les ablutions. Donc, connaissant la condition des ablutions, je recommençais à chaque fois, sans comprendre ce qu'il m'arrivait. Pour la prière, c'était la même chose. Je recommençais juste parce que j'avais senti l'envie d'arrêter. Puis très vite, j'avais du mal à commencer ces actes. La salat, ablution, ghusl. Mais cela ne me prenait pas plus de 20 minutes de grand waswas, ce qui est déjà très long. Je souffrais énormément, sans parler des problèmes de santé, douleurs violentes au ventre, tous les jours avant les ablutions et la salat. Je suis rentré en France avec mon mari, qui lui souffrait beaucoup du dos. Alhamdoulilah, quelques jours après être rentré, je n'avais plus du waswas durant la salat. Le problème était que dans le wudu et le ghusl.
Puis est arrivé le mois de Ramadan. Chaque jour avant le début du jeûne, c'était le même problème. Je mettais la niyyah, puis je sentais qu'une partie de moi voulait recommencer. Alors je recommençais, etc. Bien sûr, avant que rentre l'heure du jeûne. Le mois de Ramadan terminé et mes waswas se sont aggravés. Ceux de la salade sont revenus parce que je n'arrivais plus à me dire que j'ai la niyyah. Une fois que je sentais que je l'avais, je commençais par exemple la salade, mais je m'arrêtais et je recommençais, ce qui me prenait énormément de temps. Les mois sont passés, cela s'est empiré, je pouvais rester debout pendant 5 heures, même plus parfois dans la salle de bain, n'ayant pas réussi mes ablutions. Puis une fois les ablutions faites, c'était le même combat pour la salade. Cela fait 5 mois que mon mari a appelé Cheikh Abdelhadi, qui lui a dit de me faire ruqya. Il a aussi appelé à Talib al-Ilm, qui lui a dit d'écrire la question pour qu'il la pose à un cheikh, mais il n'a jamais répondu. Je pleurais toute la journée, pas le temps de me nourrir, le wudu et les salats me prenaient trop de temps. Il m'arrivait de terminer mes salats à 2 h du matin. Bref, ma vie est devenue très compliquée, puis je me battais, et plus je me battais, et plus je m'engouffrais dans un labyrinthe géant et très étroit. Il y a 3 mois, je n'arrivais plus à faire le rosol. Je me battais, je réessayais plusieurs fois, je sortais et revenais. J'ai même essayé de faire un tayammum, mais en vain. J'ai réessayé les jours d'après, mais enfin. Maintenant, juste le fait d'y penser, je suis terrorisé. Terrassé par la peur, je ne peux pas y aller. Pourtant, je crains Allah, je m'éloigne des péchés comme je peux. Je lis le Coran tous les jours, alhamdoulilah. J'ai une bonne relation avec mon Seigneur. Je suis très attaché à ma religion. Mais aujourd'hui, et comme depuis 1 an et quelques mois, ma vie est devenue un très grand calvaire. C'est l'une des pires épreuves qui peut arriver à un croyant, ne pas réussir à prier. Je précise que j'ai du soutien derrière moi, mes amis, mon mari, qui ne peuvent rien faire. Car depuis ce voyage-là, mon mari a de multiples maladies, diabète, hypothyroïde, deux hernies discales, deux sciatiques, asthme et j'en passe. Mes proches ont été témoins de mes larmes et du combat que j'ai mené, que je mène toujours aujourd'hui. Je n'ai plus envie de vivre comme ça. Je précise que ce n'est pas la paresse, je suis vraiment atteinte d'un mal, mais lequel, Allahu alam. Afwan d'avoir été longue, mais il faut m'aider et ne pas me laisser bafouer le droit d'Allah. Est-ce que Allah va me pardonner? Malgré que ce n'est pas mon choix d'arrêter, je n'y arrive pas. Comment réussir à commencer la salat, le ghusl, le wudu? Une fois commencé, comment continuer à ne pas interrompre et ainsi recommencer? Je précise aussi que je me suis beaucoup documenté sur les fatwas des savants relatives au waswas. J'espère que ça a été clair, cher. Tfadal. Walaikum salam, vous m'entendez? Alhamdoulilah. Ça, c'est pas seulement des waswas. Ça, c'est la sorcellerie ou bien le djinn. C'est pas seulement les waswas. Les waswas, ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Les waswas, on dit Audoublam, et je me parle à moi-même, je dis écoute, Shaitan, tu crois que Annie, tu peux me vaincre? C'est pas possible. Moi, il y a Allah avec moi. Et toi, tu es l'ennemi d'Allah. Donc, si tu me vaincs, moi, tu as vaincu l'islam, c'est pas possible. Donc, et je fais mes ablutions normales et je dis Allahu Akbar et je prie. Même quand je termine, si je dis c'est faux, c'est juste, j'ai prié deux, j'ai prié trois, je reviens pas. Et comme ça, une semaine, il va plus tourner avec moi, il va dire celle-là, c'est pas possible de là-bas. J'ai essayé, je peux pas, elle m'entend plus, elle fait la salat une seule fois et elle ne répète pas, elle fait les ablutions une seule fois. Quand elle termine, elle revient pas aux ablutions. Là, celle-là, elle m'a battu, il va ailleurs. Mais je pense que celle-là, Allah alam, elle doit avoir un sihr ou un djinn. Un sihr ou un djinn, c'est pour ça que je lui conseille à son mari de lui faire ruqya, de lui ramener quelqu'un qui lui fait ruqya pour faire sortir d'elle ce djinn ou ce sihr qu'elle a et qui l'empêche. Et le sihr lui-même, vous savez que le sihr lui-même, il a un djinn qui le surveille. Le sihr lui-même, il a un djinn. C'est pour ça que des fois, le djinn, il y a seulement le djinn, et il y a le djinn plus sihr. Et comme je sais aussi, même le hasad, des fois on est hasad par des gens, et le hasad, des fois il se transforme en quoi? Il se transforme en djinn et en sihr lui-même. Non. Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala guérir notre vie à sortir de cette épreuve qui est vraiment difficile, et qui, comme elle a dit elle-même, c'est une épreuve. Il y a l'une des plus difficiles qui puisse atteindre quelqu'un. Imaginez, tu as atteint une épreuve,
tu restes là en face de toi, tu dis je peux pas faire le wudu, je peux pas faire les ablutions, je peux pas prier, je peux pas. Vraiment, c'est une grande épreuve. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider et de la faire sortir de son âme. Et qu'elle prenne aussi, comme j'ai dit, elle prenne des causes, qu'elle fasse beaucoup de dua à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle fasse la ruqya bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadl. Question suivante, chère question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense, vous préserve et vous élève au paradis, chère, et les admins. Amin. Ma question est, que deviennent les enfants des non-musulmans? Donc, elle veut dire après la mort. Wallahu alam. Afwan, je n'ai pas entendu. Hein? Barakallahu fikum. Tfadal, chère. J'ai répondu tout à l'heure, si vous m'avez entendu, qu'il y avait un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique par Cheikh Al-Albani, qui dit que les enfants des mouchriquins sont dans le paradis comme des vadés. Ils travaillent là-bas, ils servent à boire, etc. Non. Si vous voulez être plus sûr, attendez une seconde, je vous ramène le hadith. Voilà le hadith. Cheikh Al-Albani a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les enfants des mouchrines, des associateurs, des polythéistes, khadam, les val-jannah, ce sont eux qui donnent un abri, etc., aux gens du paradis. Il a dit, wa huwa sahih. C'est un hadith authentique quand on groupe yani, toutes les variantes qu'il possède. Tfadl. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Allah jazakum bikhair. Mon père est avec une autre femme que ma mère. Et Allahu alam s'ils sont dans le halal. Elle a eu un bébé et je refuse catégoriquement de le considérer comme mon frère. Je le déteste. Et elle aussi, je la déteste. C'est mon pire cauchemar. Quand j'entends parler d'elle ou autre, je m'énerve et je dis toutes les paroles qui peuvent passer par ma tête. Ensuite, je regrette et je pleure, mais elle m'accuse d'inceste et m'insulte tout le temps. Elle fait sortir mon père du din. Enfin, ma question, c'est l'enfant, comment dois-je le considérer et quel comportement dois-je avoir avec elle face à ces insultes? Allah jazakum bikhair. Tfadal, cher. Et pour savoir comment considérer l'enfant, il faudrait savoir si justement si le père est marié avec cette femme. Tfadachir. Avec cette femme, ou bien c'est une fornicatrice, c'est qui? Ou bien c'est ton père, la deux. Alhamdoulilah, maintenant, ce que je te conseille, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de t'éloigner d'elle au maximum et ne pas avoir de relation avec elle. Jusqu'à ce que il y ait une preuve que quoi? Que c'est son épouse. Non. Maintenant, à quoi ça sert de d'avoir une relation avec elle pour qu'elle t'insulte et que toi tu dises des mots déplacés pour avoir des péchés à cause d'elle et à cause de son enfant. Celle-là, moi, je ne cherche pas à comprendre. Je m'éloigne d'elle, je la néglige. C'est comme si elle n'existait pas du tout. Pour préserver quoi? Préserver mon père pour que je ne le perde pas. C'est toujours mon père. Même s'il y a avec une fornicatrice, c'est mon père. Et pour préserver mon dîn, pour ne pas être poussé à dire des choses déplacées, qui risqueraient de mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre. Néglige-la, fais comme si elle n'existait pas, jusqu'à ce que tu saches exactement. Quand tu vas savoir si c'est l'épouse de ton père, la deuxième. Donc son père, ton frère de père, tu le veuilles ou pas. Et si c'est une fornicatrice, tu n'as aussi aucun intérêt à quoi? À rentrer dans les péchés à cause d'elle. Donc, dans ce cas, quoi? Faudrait la négliger. Elle dit que c'est cette femme qui cherche à. Oui, mais essaye de l'éviter. Elle va jusqu'à chez elle, etc. Non, il faut voir comment essayer de l'éviter. Comment essayer de l'éviter en changeant de maison ou là en déménageant ou bien. Il faut voir comment l'éviter au maximum.
Non. Quitte à si elle vient faire des problèmes, etc., à déposer une plainte contre elle. Et dire celle-là, elle vient faire des problèmes, elle vient ceci, elle vient cela. Non. Alors, question suivante, cher, question d'un frère qui dit Hafizakum Allah ainsi que les participants et vos familles. Yes, cher, le croyant devrait-il rattraper les prières non faites pendant la dunya sur le feu de l'enfer? Si oui, à quel moment? Barakallahu fikum, Allah inawurkum fi dunya wal akhirah, ainsi que nous tous et nos familles. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakallah fik pour les doigts. Une seconde, je voudrais te ramener un verset. Une seconde. Je vais te ramener un verset, inshallah. Regardez ce verset. Sayisla naran dhat al-lahab. Sayisla naran dhat al-lahab. Sourate al-Masad 3. 3. En fait, bon, qui bien sûr n'ont pas l'arabe et n'ont pas croient que yani celui qui prie pas ici, il va prier en enfer. Ils peuvent même se baser sur ce verset, te dire là, Allah dit ça et cela, dans le sens tant qu'il va faire la prière, il s'allie Maran. Donc il s'allie dans le feu, il va prier dans le feu. Alors que son sens est vraiment loin de cela. En français, c'est dit, regardez ce que ça veut dire. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Plein de flammes. Sayisla. Sayisla, en arabe, ça veut dire qu'il sera. Il sera collé. Non, il sera collé à l'enfer. C'est pas seulement il sera brûlé. Mais, si Allah Ta'ala voulait dire il sera brûlé, il va dire c'est. Il a dit Sayisla, ça veut dire il sera coincé dans un feu, il sera collé au feu, il ne pourra pas s'éloigner du feu. Non. Donc je dis, il n'y a aucun dalil qui dise que celui qui ne prie pas ici, il va prier là-bas. Celui qui n'a pas prié ici, ou bien c'est un cas, on est éternellement en enfer, ou bien d'après le deuxième avis, s'il n'a pas prié par respect, le deuxième avis, il aura fait un très grand péché et il sera entre les mains d'Allah Ta'ala. S'il veut lui pardonner, il pardonne. S'il ne lui pardonne pas, c'est comme dans le verset ici, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Mais il n'y a pas de salat yawm al-qiyamah. La salat, c'est seulement dans cette dunya. Il n'y a aucune salat yawm al-qiyamah, sauf quoi? Sauf la prosternation que les gens. On demandera aux gens de faire une prosternation lorsqu'il montrera Allah Azzawajal son tibia. Ceux qui priaient ici étaient musulmans, etc., pourront faire cette prosternation. Ceux qui ne priaient pas et étaient kafirs, etc., ils ne pourront pas la faire. A'oudou billah sera très grave. Et il y aura aussi la prière pour les gens du paradis. Les gens du paradis, s'il y a quelqu'un qui veut prier, qu'il prie. Mais ce sera pas comme ici. Ici, c'est obligé. Si tu pries pas, tu as fait un grand péché. Mais dans le paradis, non. C'est obligatoire. Si toi, tu veux prier, tu es libre. Si tu veux pas, personne ne pourra, tu n'as pas prié. C'est pour ça que le prophète, alayhi, quand il a fait l'ascension, le Mi'raj, il a vu une femme, une jeune fille, devant un palais, en train de faire les ablutions. Pourquoi on fait des ablutions? Les ablutions pour prier. C'est pour ça qu'il a deux. C'est qui? C'est à qui se. Non. Et à la fin, il a su que c'était le palais de Omar ibn Khattab. Mais le témoin, il a trouvé une jeune fille devant le palais en train de faire les ablutions. Donc, faire les ablutions ou prier, ou bien tout ça, c'est pas obligatoire. C'est pour celui qui veut tellement, tu es content. Tu veux prier, tu veux faire les ablutions, tu veux ceci, tu veux cela. Très bien. Question suivante, chère, question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykoum, cher. Lors de la naissance d'un enfant, est-il correct qu'il faut sacrifier deux moutons si le nouveau-né est un garçon
et un seul mouton si le nouveau-né est une fille. Pouvez-vous, bi'idhnillah, donner le dalil et la réponse en arabe pour que je la fasse écouter à mon père qui est totalement convaincu qu'importe le sexe du bébé, il faut sacrifier qu'un seul mouton. Barakallahu fikum Cheikhana, wa hayakumullah. Cher, juste une info. Cheikh Othman Essalimi a été interrogé très récemment par rapport au fait que le CFCM a fixé la date du début de Ramadan en se basant sur les calculs astronomiques. Et alhamdoulillah, Allahumma barik ya Cheikhana, il a donné une réponse très proche de la vôtre, à savoir qu'il ne faut pas les suivre, mais plutôt se baser sur un pays proche de la France et qui s'appuie sur la vision de la nouvelle lune. Je peux vous transmettre le lien de la vidéo, inshallah. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadal, Cheikh. Je suis en train de chercher le hadith pour vous l'afficher en ce qui concerne l'aqiqa, mais j'ai pas entendu qui tu as dit, qui avait donné une réponse proche de la mienne. Qui? Barakallahu fi. Donc je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord j'affiche le hadith une seconde. Bon, on m'a dit qu'il ne peut pas s'afficher parce qu'il contient beaucoup de phrases. Donc, Ma'ali, je vous le lis. An Aisha radiallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, an il ghulam. Le ghulam, c'est le garçon. An il ghulam, chatan, deux moutons. Mukafi atan, bien portant, etc. Wa jariya chat. Et si c'est une fille, un seul mouton. رواه أحمد والترمذي وصححه في صحيح الترمذي للشيخ الألباني رحمه الله. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان يعني كبشان، وعن الجارية شات واحدة في العقيقة. هذه هي السنة، أنه إذا ولد للإنسان مولود ذكر يذبح عنه كبشين شاتين. نعم وإن ولدت له جارية يذبح شاة واحدا سي سا لا سنة دو بروفيت صلى الله عليه وسلم اوثنتيك ك كونت يا نوفو ني اون فوا سي سي ان غارسون اون دوا كوا اون دوا ايغورجي دو موتون سي سي اون في ان سول موتون اي سي بيرسون نا با ايل بو ايغورجي بور لو غارسون اوسي ان سول موتون سي نا با لي مويان كار ان سول موتون سي ميو ك ايغورجي دو تو. إذا هو إن شاء الله تعالى إذا كان الإنسان يعني ميسور الحال عن الغلام وعن الجارية شات واحدة وإذا يعني لم يسأل أنه يذبح شاة واحدة ولو عن الغلام إن شاء الله تعالى. والله إن شاء الله تعالى. Est-ce qu'il y a une dernière question? تفضل. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Allah nous accorde le Firdaous à tous. Barakallahu fikoum pour le cours, ainsi qu'aux admins. Où pourrais-je trouver le hadith sur Ibrahim qui apprend le Coran aux enfants des musulmans morts? Fadal, cher. Afouane, il y avait des coupures. Naam, il y avait des sursauts. J'ai pas entendu de quel hadith elle parlait. Tfadal. Le hadith de Ibrahim alayhi salam qui apprend aux enfants les morts, Bukhari, dans Sahih al-Bukhari. Mais si vous voulez maintenant quelle page, etc., il faut attendre un peu. Si vous voulez quelle page, etc., il faudrait attendre un peu. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vous le ramène. Une seconde. D'ailleurs, pour ne pas perdre de temps, ce hadith a été aussi rapporté par Ahmed, Imam Ahmed. Et vous pouvez voir ici la Sahiha de Sheikh Al-Albani, numéro 603, ici la Sahiha de Sheikh Al-Albani, rahimahullah.
que, d'après Abi Huraira, que le prophète alayhi sallam a dit, les enfants morts des musulmans sont dans le paradis. C'est Ibrahim qui s'occupe d'eux. C'est Ibrahim qui s'occupe d'eux. Si c'est la Sahiha numéro 603. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Je dis subhanak allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.